Bonjour à tous. Bonjour Amanda. Donc aujourd'hui, c'est Nouvel An, le dernier jour de l'année 2023. Donc pour nous, c'est une année charnière, 2024. Si vous avez suivi nos vidéos, on en parle un petit peu hein, dans chacune de nos vidéos souvent. Donc avec plein de gros projets. Mais avant ça, on souhaitait vous souhaiter une très bonne année. Très bonne année future hein, de 2024. Surtout la santé pour faire de très beaux voyages. On vous remercie aussi de votre fidélité à la chaîne hein, qui a maintenant un an et demi. On l'a ouvert en mai 2022, c'est ça? Mai 2022. Donc on a un peu plus de 6000 abonnés. On est très heureux. Je remercie du soutien de nos enfants. Hein. Notre belle-fille hein, qui visionne nos vidéos et met les petits j'aime. Je remercie les collègues qui, par leur fidélité, leurs abonnements aussi. Tous mes amis de la route, que ce soit en autocar, en poids lourd, hein, puisque j'ai des abonnés qui sont non pas en autocar, mais en 44 tonnes marchandises. Donc je les embrasse, les filles. Je remercie nos amis. Hein, des abonnés qui sont devenus des amis aujourd'hui, donc grâce au camping-car, donc c'est quelque chose de super, c'est super touchant, on a rencontré beaucoup d'abonnés, donc moi je ne filme pas hein, nos abonnés, donc ils se reconnaîtront, hein, on en a rencontré déjà beaucoup, que ce soit sur les airs, au salon, des gens super. Ouais, vraiment des gens super, ça nous a, c'est très émouvant. Et comme moi, je suis quelqu'un d'émotif, voilà, c'est reparti. Je filme pas ces rencontres, c'est pas les petites larmes, j'ai pas envie. Donc, je filme pas ces rencontres-là. Voilà, mais c'est un grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à venir toquer à la porte de Baroudeur 2. Il se moque de moi, mais je suis émotive, c'est comme ça. Mais n'hésitez pas à venir toquer, bon, pas en pleine nuit, hein. En fuite de dos. Tu n'es pas là dans le camping-car, pas là autre chose. Ah oui, dans le camping-car, oui. Bah, ils vont pas me dire toquer si tu es au travail dans votre maison. Oh, c'est pas. Les célébrités. Un Django qui se balade. Mais n'hésitez pas surtout à venir. Il veut participer. Django qui veut participer. Ah, ma maman. Je vais dire bonjour à l'abonné et mettre le cœur aussi. Voilà. Donc, tout ça, vous souhaitez une très bonne santé. C'est mieux d'avoir la santé quand même en camping-car. Mais quelques personnes m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas toujours et que le camping-car c'était un formidable moyen d'évasion et c'est vrai. Voilà, ça nous fait toujours du bien qu'on soit pas bien, qu'on ait des tristesses dans la vie ou autre. Le camping-car, c'est une bouffée de bonheur. Dès qu'on monte dedans, ça nous fait du bien. Donc, on vous souhaite tout ça. Et puis, bah, on va prendre la première coupe de champagne avec vous. Super bon, ça. Voilà. Et puis, j'ai oublié aussi, on souhaite aussi une très bonne année à tous vos animaux, que ce soit vos chiens. Les quatre pattes. Vos chats, voilà, les quatre pattes. Bon, les chevaux, on les emmène pas trop. Quoique j'ai vu, j'ai une abonnée qui se balade avec son van. Elle est full-timer, donc plein temps avec son camping-car. Et elle se balade avec son cheval. Il y a des centres équestres qui l'accueillent, des fermes. Et elle voyage avec son cheval. Alors ça, c'est fantastique. Pas pareil, hein. Voilà, qu'il soit en bonne santé. Voilà, nous on a deux vieux toutous, donc on espère qu'ils vont bien se porter. Attends, veux. Mel, non, pas pour toi. Pas pour toi, Mel. Voilà. Une très bonne année 2024. Bon, tu vas pas boire tout ça. Non, moi ça va aller. C'est bon toi? Je conduis que la caméra aujourd'hui, mais... Tu conduis pas. Allez. Des gros poutous à tous. Bonne année. Une très bonne année 2024.
une très très bonne année. À toi aussi. Allez. La santé. Tu... Bah oui. Et plein de choses parce que cette année 2024. Allez, chargé. Joël est en retraite, vous savez, on ne sait pas trop encore la date exacte, fin mai, début juin. Courant juin, oui. Courant juin. Moi, j'arrête le 20 avril. Pourquoi j'arrête plus tôt? Parce que y a beaucoup, pour nos voyages, il y a des vaccins, il y a des prises de sang, il y a beaucoup de choses à faire avec les chiens. Et on doit vendre la voiture de Joël, surtout, puisque c'est la plus récente, hein, 2017, afin de financer notre voyage, hein, puisque je vais être un an sans salaire. Et il faut évidemment qu'il puisse continuer à aller au travail. Donc il va prendre ma vieille Cox. Et moi, du coup, je serai à pied. Donc je m'arrête pour pouvoir faire tout ça. Donc la nuit, il travaille. La journée, il dort. Et moi, je reprendrai la voiture dans la journée pour emmener les chiens au vétérinaire et faire toutes les dernières formalités pour tous nos voyages. On goûte quand même. Hein. Ah oui, oui. Alors, c'est quoi que tu nous donnes, en fait? Ah, alors là... C'est du crémant d'Alsace de la propriété de Jean-Louis Schoeffer. Alors, si vous voulez voir, il y a une vidéo hein, sur l'Alsace. On est allé dormir chez ce producteur. C'est du fine bulle, 18 mois. Fantastique. C'est une tuerie. Donc, je goûte quand même. Oui, il est excellent. Il est excellent. Fantastique. Donc, maintenant, nous, on va se préparer. Qu'est-ce que vous loupez là? Mais non, on leur explique. Faut y aller, sortir. Faut y aller, ouais, parce que c'est, il est sur Park at Night, hein, c'est pour ça que je peux en parler. Park at Night, France Passion aussi. Hein. Ouais. Il a combien? 5 places dans sa cour. Oui, 5 places. Ouais, facile, ouais. Ouais, facile, 5-6 places. Donc si vous êtes 2-3 camping-cars en famille ou entre amis, c'est tout à fait possible. Il faut le contacter un petit peu avant quand même pour lui dire que si vous arrivez à plus d'un camping-car. Et c'est vraiment super. C'est à Wettolsheim. Oui. Wettolsheim. Désolée pour la prononciation si vous êtes alsacien parce que c'est des noms un peu compliqués parfois. Allez, des gros bisous à tous et puis... À bientôt sur la route. À bientôt sur la route et dans les vidéos. Des poutures. Elle est bon. Prends l'assiette. Non. On va couper. On va couper avant de rouler dans la maison sur le canapé.